Bonjour à tous, bienvenue, c'est Tenji. On se retrouve pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite encore une fois mes meilleurs voeux pour cette année qui commence. Je vous invite également à aller regarder. J'ai posté une vidéo sur les énergies mondiales pour cette année. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir aussi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous ai posté bien sûr toutes les guidances astro, que ce soit le général, le sentimental. Et j'ai même posté des guidances astro pour chaque signe pour toute l'année. Donc voilà, tout ça, si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos. Là, on va se focaliser sur les énergies, pardon, de la semaine. On va voir un petit peu ce qu'il y a à en dire sur cette première semaine de janvier. Allez, on est parti. On a la carte du lion, le leadership. Donc, il y a une notion ici de reprendre sa place, de reprendre son pouvoir, d'affirmation de soi. Il y aura peut-être des choses à négocier, à débattre, des petits conflits à régler, une affirmation, c'est retrouver aussi peut-être sa routine, sa place, hein, retrouver le rythme après des congés. Et pour d'autres, ça ira jusqu'à effectivement peut-être négocier. Il y a une notion ici de médiation, peut-être d'adoucir un conflit, et de trouver sa place dans le sens où on doit se faire respecter, hein. Donc ça peut être en lien avec une hiérarchie professionnelle, ça peut être en lien avec quelque chose de juridique, ça peut être à la maison avec les enfants, retrouver une forme d'autorité, retrouver un rythme. Vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, le lion, il nous parle comme ça quand même de courage et de charisme et de volonté, hein. Donc on est dans une belle énergie, je trouve. C'est, hein, on commence l'année sur voilà, sur les chapeaux de roue un petit peu, hein. Alors on va mettre la carte de côté. On va aller voir maintenant quelle est l'activité justement. Comment cette semaine on peut prendre soin de soi avec une petite activité? Qu'est-ce qui nous ferait du bien cette semaine? Comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi? Et nous avons le stretching. Donc là, on nous parle de yoga, on nous parle d'étirement, donc de gymnastique, de sport. Donc on a besoin de se remettre en mouvement de manière globale. Tout ce qui est activité physique et sportive nous fera le plus grand bien. On a besoin de bouger le corps pour, eh bien, pour faire bouger les énergies, pour les ressentir, pour réchauffer le corps en quelque sorte. Donc c'est pas mal, ça. Je pense que pour beaucoup ça va parler parce qu'après les fêtes, souvent on se dit, on a souvent cette bonne résolution de se remettre un petit peu à ça, hein, à une activité physique, faire plus attention à ses besoins aussi physiques. Donc voilà l'activité pour la semaine. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va aller voir un petit peu les énergies pour le général, donc avec l'oracle Amour à mort. Un nouvel oracle que j'ai reçu, qui est magnifique, qui sert à la fois pour l'amour, comme son nom l'indique, mais aussi pour le général. Donc du coup, là, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. On va laisser parler les cartes. Alors, on a la clé. Donc ici, on nous parle d'être dans une semaine d'ouverture, hein, où des solutions arrivent, il y a une forme d'accomplissement, c'est aussi des décisions à prendre. Vous voyez, ça rejoint un petit peu le lion parce que cette carte, elle nous parle aussi de nos capacités à dénouer une situation. Hein. Donc, comme si on allait résoudre peut-être un conflit, résoudre un problème. Il y a une avancée, il y a quelque chose ici qui s'ouvre. Mais aussi, on a la capacité avec la clé d'ouvrir, mais de fermer. On peut fermer la porte à l'année 2020 à quelque chose aussi qu'on ne souhaitait plus. Donc, c'est des solutions, c'est une ouverture, c'est des possibilités, c'est des choix. Ici, on a la carte de la fin. Donc ici, ça nous parle bien sûr de quelque chose qui se termine. Il y a l'idée de passer à autre chose, d'un aboutissement. Donc il peut s'agir effectivement de fermer la porte à une activité. On est dans un renouveau puisqu'ici, il y a quelque chose qui se termine. On est dans une envie de changement, hein. On a la possibilité, peut-être qu'on fait des choix effectivement de quitter quelque chose, de terminer ici. On va vers une nouveauté. Et on a la carte du masque
qui nous parle ici, eh bien, de se montrer tel que l'on est, hein. On est dans, on fait tomber les masques, on fait tomber les carapaces, on est dans une envie d'authenticité. Donc, on ferme la porte à tout ce qui peut être faux, tout ce qui ne nous parlait plus, tout ce qui nous, finalement, il y a peut-être l'idée quand même d'arrêter de se mentir, de se sortir peut-être de quelque chose qui n'était pas bon pour nous. On ouvre les yeux. On est dans une forme de vérité envers soi, mais aussi c'est peut-être on prend conscience que certaines personnes nous ont menti. Il y a vraiment la notion de se mettre à nu envers soi-même. Je pense que c'est avant tout ça, c'est des prises de conscience importantes et on clôt un petit peu l'année, on entre dans cette nouvelle année, on ferme la porte à tout ce qui était faux finalement, hein. En dos de deck, on a la famille. Donc là, on voit qu'il y a peut-être question pour certains d'héritage, de démarches en rapport avec la famille également, hein. Donc, vu qu'il y a eu les fêtes, on est peut-être aussi dans des histoires de famille aussi, hein. C'est peut-être ça pour certains, hein. Pour d'autres, ici, avec la carte du masque qui nous parle de se protéger aussi, c'est que on est aussi dans une semaine où on prend conscience que pour son bien, pour son propre épanouissement, et ben parfois il est indispensable de couper, même avec des personnes qui sont proches, qui peuvent être toxiques, où on se libère d'un poids familial, on se libère aussi peut-être de manière un peu plus spirituelle et énergétique, de liens karmiques, de choses un peu plus, voyez, énergétiques, dans le sens où il y a peut-être aussi des guérisons qui s'opèrent à ce niveau-là, hein, sur des croyances limitantes, sur des schémas répétitifs, etc. Bon, pour d'autres ici, il est question, je pense, aussi d'avancer, hein, de solutions que l'on trouve ici par rapport peut-être à un problème d'héritage ou un problème en famille aussi, bien sûr. Tout dépend à quel niveau se fait la lecture du tirage. Alors, on va continuer, on va prendre le petit Witchy. On va aller voir les énergies pour cette première semaine de janvier. Donc, on a la carte du Lys qui tombe. Voici une semaine où il va y avoir de la communication, hein, on voit qu'il va y avoir des interrogations. Bon, on a la carte du bouquet ici, en dos. Il y a quelque chose ici qui va se débloquer, hein. Bon, mon tirage est de travers, je ne sais pas pourquoi ça ressort travers à la caméra. Pour moi, c'est droit devant moi pourtant. Bon, c'est pas très joli, je suis désolée. Voilà, on va mettre un petit peu plus comme ça. Bon, il y a l'idée ici, voilà, de découvrir justement, de faire tomber les masques. Parce qu'ici, avec le renard, le livre, j'ai l'impression qu'il y a des informations qui arrivent à nous, qui vont pas forcément être... il y a des informations stressantes, des informations pas forcément évidentes à entendre, hein. Ça peut concerner le travail, hein. Il peut s'agir ici, voilà, de... Vous allez reprendre le travail et puis vous allez vous... Voilà, il va y avoir des nouvelles... recommandations peut-être, voilà, des choses qui vont un petit peu vous déplaire au niveau professionnel. Pour d'autres ici, on est dans un renouveau professionnel puisqu'on peut partir sur, comme on l'avait vu tout à l'heure avec la clé, vers un renouveau où on quitte quelque chose et on voit qu'on est dans des pourparlers peut-être pour quitter un travail ou pour partir sur une nouvelle formation, sur un nouvel apprentissage aussi. Donc il y a des démarches en ce sens aussi. Pour d'autres, on est dans des démarches avec un avocat, avec un notaire. Il y a l'idée de vraiment d'être dans la consultation, dans la recherche d'informations cette semaine. Pour beaucoup, ça passe par des rendez-vous, des entretiens professionnels, des coups de fil. Vraiment, on est dans la démarche ici, hein. Clairement, on est en train de construire un dossier, on est en train de s'informer, on fait de nouvelles formations, on apprend beaucoup de choses. Et il y a de l'information aussi qui arrive à nous, hein. C'est une semaine où il y aura beaucoup de choses à faire, il faudra se réorganiser. Mais en même temps, c'est une semaine qui permet d'y voir plus clair parce que du coup, forcément, il y a de l'information qui arrive. Il y a une forme ici aussi de
pardon, une forme de ralenti. Je ressens aussi que les choses peuvent prendre du temps, hein, ou ont pris du temps, et là, cette semaine, on est en train d'ancrer les choses. Hein, donc, on est dans l'attente aussi peut-être de résultats pour d'autres. Hein, effectivement, les fêtes ont peut-être retardé vos démarches administratives, professionnelles, etc. Donc, du coup, là, cette semaine, ça se décante et vous allez pouvoir voir les choses de manière... Excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. De manière plus claire. Parce qu'on a quand même le bouquet en dos de deck, donc on voit que c'est quand même une belle énergie. Donc, il y a quand même l'idée de plaisir, de joie, d'une bonne nouvelle aussi quand même. Même si ça va être une semaine un peu stressante parce qu'il faut se remettre dans le rythme, au final, on voit que pour certains, il y a quand même peut-être une belle opportunité professionnelle à saisir, quelque chose de beau, mais ça passe par effectivement voilà, des efforts, du travail, le stress de la réorganisation, le stress de l'entretien, etc. Il y a comme une sorte de remise en route en quelque sorte. Le bouquet, il vous rappelle aussi de prendre soin de vous. Hein. C'est peut-être ça aussi par rapport aux oiseaux qui sont un peu prises de bec, etc. Hein, il pourrait y avoir par exemple ici, on pourrait être avoir des jalousies, des ragots sur nous là, qui pourraient revenir. Ça peut être déplaisant bien sûr, voilà, des choses comme ça un petit peu perfides qui pourraient nous déplaire. Donc je pense que le bouquet, il est là pour nous dire soyez focalisés sur les personnes qui vous entourent, qui vous soutiennent, plutôt que sur les gens qui vont vous dénigrer. C'est pas très très grave finalement. Mais c'est une belle énergie, hein. Et on voit que quand même on est ici dans la construction, dans la fondation de quelque chose, que ça demande des efforts, des recherches, une certaine patience aussi, mais il y a une forme ici de sérénité qui arrive aussi après une période de retard, d'attente, de réflexion ou de doute. Alors, on va continuer. On va aller voir au niveau sentimental avec celui-ci. Stabilité et équilibre, donc au niveau émotionnel, ça a l'air plutôt positif. Choix et décision. On tend ici à faire des choix pour aller vers cette stabilité, vers cet équilibre émotionnel et affectif. On fait peut-être des projets, aide et soutien. Alors, cette semaine... On est entouré, on est dans une forme. Alors, déjà, les cartes sont toutes les trois positives. En dos de deck, on a étape à franchir. Donc, on voit qu'effectivement, on est dans l'idée de faire des démarches. Alors, les démarches de tout à l'heure étaient peut-être, effectivement, pour des projets personnels également, pas forcément que professionnels. De toute façon, à chaque fois que je fais une lecture, sachant que c'est du général, adapté. Si ça vous parle pas dans le domaine pro, c'est que c'est dans le perso. Ici, stabilité, équilibre, choix, décision, aide et soutien. Donc on voit que on est aidé, on est épaulé dans nos démarches, on est soutenu, on fait des projets de couple. Il y a l'idée ici de se positionner, de s'engager peut-être aussi. On s'entoure aussi de personnes qui nous ressemblent. Ça c'est une énergie, comme je vous l'ai dit, qui est ressortie dans les énergies pour tous les signes quasiment pour le sentimental en janvier. Et il y a l'accès ici à un engagement. On voit que il y a des liens qui se resserrent, on passe à un stade supérieur. Si on était ici peut-être, si on ne vivait pas ensemble, et bien peut-être qu'on va prendre la décision de faire des démarches pour trouver un appartement, pour vivre ensemble, ou de se rapprocher, ou il y a l'idée de s'engager dans une association, de se rapprocher de quelqu'un, on est dans l'aide, on est dans le partage. Si vous avez peut-être des choix à faire, et bien vous allez peut-être en parler à une amie ou vous faire, vous voyez, il y a cette idée d'être soutenu aussi dans votre parcours et dans vos choix par vos amis ou par votre partenaire. Il y a une forme ici de sécurité affective, hein, qui peut se construire souvent suivant votre situation personnelle. Ça peut être du soutien de votre famille, de votre conjoint, de vos amis. Mais en tout cas, ici, on sent que, en tout cas, même si on est dans une période pas forcément évidente, eh bien, on est au niveau personnel, on sent que ça, au moins, c'est notre socle, c'est notre base sur laquelle on peut se reposer en quelque sorte. On est en train de construire ici. Et c'est pour ça qu'on allait vers, on avait la carte du masque, parce que on veut ça. C'est ce qu'on veut. C'est vraiment l'énergie de 21. C'est ça. C'est on veut construire des relations qui soient
qui soit sincère et honnête. Et peu importe si on perd du monde en route, peu importe si on n'a pas beaucoup d'amis, ce qu'on veut, c'est qu'au moins il soit fiable. Voyez. Donc il y a vraiment de ça. Il y a vraiment aussi des choix et des décisions. Alors peut-être que pour certains, voilà, vous avez la sensation aussi que vos proches vous soutiennent dans vos projets. Et ça, c'est important aussi. Donc voilà pour le côté relationnel. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que je vous laisse choisir une petite pierre et puis on va aller choisir un dernier message pour la semaine avec le petit Lenormand. Donc, je vous laisse choisir entre la malachite, l'obsidienne et le cristal. C'est un petit tirage, hein. Je ferai plus long la prochaine fois. Je suis encore un petit peu en vacances. Alors, bon, pour rien vous cacher, je suis en vacances que depuis le 30. Hein. Je prends très très peu de vacances. Alors, on est parti. Alors, avec la malachite. Alors, pour vous, vous avez eu le serpent et la clé. Bon, bah, vous voyez, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. La clé qui vous libère de toutes les personnes fausses, de tout ce qui est toxique et négatif dans votre vie. C'est vraiment une transformation aussi avec ce serpent. C'est une mue, c'est une guérison. Donc, cette semaine, vous êtes en face ici de vous libérer de tout ce qui peut être un peu toxique dans votre vie, de tout ce qui vous entrave au niveau individuel, dans vos énergies extérieures aussi. Hein. Donc, on vous dit ici que vous allez vaincre finalement peut-être une forme de d'hostilité, de conflit. Hein. Il y a peut-être une énergie ici tierce qui vous nuit. Hein. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être que ça va se jouer pour certains au juridique. Peut-être que c'est tout simplement que ça va être une semaine de transformation et d'ouverture pour vous. En tout cas, vous avez toutes les clés en main pour dépasser finalement peut-être ce qui vous fait peur aussi. C'est peut-être ça. Ce serpent, il peut représenter tout ce qui vous empêche de vous transformer. C'est aussi vos peurs et vos doutes, vos addictions, vos croyances limitantes. Donc voilà pour vous cette semaine. C'est aussi pour certains une guérison au niveau de la santé, hein, le serpent représentant aussi la maladie. Alors pour l'obsidienne, eh bien vous avez effectivement un choix et vous allez être guidé par votre cœur. Donc on voit que vous êtes dans le choix du cœur cette semaine. Donc vous allez être guidé par votre intuition, par votre petite voix intérieure. Laissez-vous porter, c'est vraiment ça. Alors peut-être que clairement ça sera en lien avec une relation amoureuse, hein. Vous allez réfléchir à un engagement comme on l'a vu tout à l'heure, ou bien c'est par rapport à un projet de cœur. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vous emmène comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi un petit déplacement, hein, pour retrouver quelqu'un, retrouver des proches, quelqu'un que vous aimez. Il y a peut-être une réflexion aussi par rapport à ça. En tout cas, cette semaine, le message, il est clairement de vous laisser porter par votre cœur, par ce qui vous fait vibrer. Il y a peut-être ici l'idée de, voilà, de se laisser porter par ça. Donc, c'est une belle semaine pour vous. Hein. On est dans des nouveaux projets ici, quelque chose qui nous plaît en tout cas. Et pour le cristal de roche, vous avez donc le renard, encore une fois, et la tour. Donc ici, ça nous parle peut-être de professionnel, de nouveau travail, de démarche ici. Ça peut nous dire aussi que cette semaine, il faudra être rigoureux. Il faudra être bien organisé et dans la réflexion, se positionner et être rigoureux, et précautionneux, hein, dans tout ce que vous faites, que ce soit au travail. Pour d'autres ici, il y a peut-être des démarches en lien avec, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un avocat, avec un notaire, peut-être un médecin aussi. Ça peut être aussi un médecin, ce renard, pour d'autres. Hein, il y a peut-être une notion ici d'être très ancré dans un projet, voilà, administratif ou juridique. Et ça va occuper votre semaine. Hein. En tout cas, prenez de la hauteur aussi. C'est peut-être ça ce qu'on vous dit. Prenez de la hauteur. Il y a peut-être le besoin aussi pour vous de vous protéger un petit peu justement d'une certaine forme d'hostilité. Hein, un petit peu comme le tas numéro 1. Où là, on vous dit, voilà, prenez un temps pour vous peut-être cette semaine aussi. Pour vous reposer, pour faire des démarches, pour prendre une certaine forme de réflexion. Pour vous organiser, pour obtenir ce que vous voulez aussi. Hein. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que le tirage vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.